le savez, la communauté internationale elle nous a déçus dernièrement lors du Conseil de sécurité lorsqu'on n'a pas voulu lever l'embargo sur l'acquisition des armes par la République démocratique du Congo. Je pense que tout est clair que le complot il est total. Voilà pourquoi nous devons nous assumer. Nous nous posons même la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à garder la MONUSCO sur notre territoire. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer. La plus grande arme, c'est notre détermination, c'est la détermination de la population, la détermination de notre jeunesse. Au pied de l'avion, le sénateur Bahatilou Kouébou Modeste a été accueilli par le gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, lieutenant-général Constant Dima Kongba.